Je vais vous parler d'une erreur grave que beaucoup de gens commettent, une erreur qui pourrait vous coûter très cher. Heureusement, en fin de vidéo, je vous fournirai des conseils qui pourraient vous servir un jour. Mais avant, abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez continuer à recevoir des informations en droit routier et dommages corporels. Il ne faut jamais envoyer sa pièce d'identité par email à un vendeur potentiel, peut-être pour l'achat d'un véhicule et plus généralement pour autre chose sur un site de petites annonces. Souvent, ces vendeurs sont en fait des escrocs qui utilisent votre identité pour commettre toutes sortes d'escroqueries. Premièrement, ils peuvent créer des faux chèques à votre nom en utilisant votre identité, qui peuvent ensuite être utilisés pour payer des biens ou des services, voire même créer un faux chèque de banque et tenter une escroquerie de grande ampleur avec votre identité. Je pense aux réseaux qui organisent des vols de véhicules de luxe. Deuxièmement, ils peuvent usurper votre identité et utiliser vos informations pour demander des crédits à votre insu. Vous pourriez alors vous retrouver endetté pour des prêts que vous n'avez jamais demandé. Troisièmement, ils peuvent créer des faux comptes bancaires à votre nom pour transférer de l'argent volé à travers ces comptes et disparaître avec les fonds en vous laissant aux mains des enquêteurs financiers. Ces escroqueries peuvent causer des dommages considérables à la fois financièrement et en termes de réputation. Il est donc alors essentiel de toujours protéger vos informations personnelles. Alors que devez-vous faire pour vous protéger? Il y a quelques étapes clés à suivre. Premièrement, n'envoyez jamais de documents personnels par email ou par toute autre forme de communication électronique. Indiquez toujours que vous apporterez vos documents en personne lors de la rencontre avec le vendeur. Deuxièmement, insistez pour rencontrer le vendeur en personne. Ne faites jamais affaire avec le concubin, le cousin ou la tante du vendeur. Vous devez vous assurer que vous traitez directement avec le vendeur. C'est une mesure de sécurité très importante. Troisièmement, vérifiez toujours les documents attentivement. Cela inclut les papiers du véhicule, les reçus de paiement et tout autre document lié à la transaction. Si quelque chose vous semble suspect, n'hésitez pas à demander des clarifications ou à demander l'aide d'un professionnel. Enfin, utilisez des méthodes de paiement sécurisées, évitez le cash quand c'est possible et optez pour des moyens de paiement qui offrent une certaine traçabilité et protection comme le virement bancaire ou les paiements par carte de crédit. Likez, partagez pour informer la communauté des usagers de la route. À bientôt. Ciao, ciao.